Bonjour, vous êtes bien sur Radio Ici et Maintenant, 95.fm, ici-et-maintenant.com. Aujourd'hui, vous êtes sur Cyberculture, avec à mes côtés Mounov, Reynald, Guillaume, Canil et Iso Monster, Stéphane, il me semble. Audio Monster. Wow. Et Raphaël. Raphaël, excuse-moi. C'est le champagne, on va dire, c'est oui, ça. Oui, j'ai vu, il y avait pas mal de bouteilles vides à côté de toi. Bon, vous allez bien, messieurs ? Ça va, ça va. Alors, aujourd'hui au menu, nous allons parler cybermusique à nouveau. Donc, d'où l'intervention de Iso Monster, une légende. C'est toujours pas Iso. Audio Monster. Ça aurait pu, hein, mais c'est audio, dans un souci audio de cohérence. Monster. D'ailleurs, vous pouvez retrouver son ISO. Exactement. Audio Monster, autant pour moi. Excusez-moi, messieurs. Voilà, donc nous allons parler cybermusique, nous allons parler chronologie de la cybermusique, nous allons partir des années 1985 avec des commentaires à chaud de nos experts sur le sujet, donc Guillaume Canil Richard, donc son nom de scène Canil, Mounov Reynald Delien. En personne. Audio Monster, c'est bon, je me suis pas trop trompé, et bien sûr William. Salut. Alors messieurs, quoi de neuf depuis la dernière fois ? Ah bah vu que c'est ma première, moi il n'y a rien de neuf forcément. Quoi de neuf ? Moi j'ai avancé un petit peu sur, tu sais la dernière fois je t'avais parlé que je continuais à travailler sur la présentation de la musique dans la démo scène. Oui. J'avais fait pour l'instant une version française de cette présentation que j'avais fait pendant le démo In Paris 2. Donc c'était en, je sais plus, 2009 peut-être, 2009, 2010, je sais plus. Et là, enfin, je touche au bout, ça y est, de la version anglaise. Et j'ai fait beaucoup de changements à l'intérieur. Donc ça va pas... Enfin, on est un petit peu loin de ce qui avait été fait pour la version française. Et voilà, donc ça va sortir, je pense, incessamment sous peu. Bah tant mieux, on est impatient de voir ça. Voilà, donc ce sera disponible sur YouTube, Vimeo, enfin, tout ce qui va bien. Bah ok, pas de problème, on voilà. Y reviendra. Ok. En fait, il a rajouté juste deux lignes. Mais... Je crois non, que t'as pas le micro plus. En face de toi, Guillaume. Non, hop, là c'est bon, est-ce que là ouais, tu m'entends là bien. Je m'entends ouais, bien, très bon. Bien. Vous m'entendez très bien. Est-ce que tu veux ma voix suave? Tiens, attends, regarde, t'as fait une petite aide. Regarde. Fais une petite aide. Voilà. Audio Monster, alors vous êtes trop gentil. Là tu l'as, c'est bon. Tu penses bête temps réel. Tu penses bête temps réel, vous êtes trop bons, messieurs. Audio Monster. Alors, bon, dans notre petit périple de l'univers musical cyber, donc pour remettre dans le contexte, nous sommes dans les années 80, nous sommes sur Amiga, nous sommes sur Atari, nous sommes sur Amstrad. À partir de ce moment-là, il y a des trackers qui existent, donc des petits logiciels qui permettent de faire de la musique assistée par ordinateur, donc les prémices de la MAO. Ouais. Et les fonctionnements de tracker, c'est pas comme Cubase, etc. En fait, on fait des assemblages de samples, on définit les notes, on définit le sampling, il me semble, ouais. Et envoyer, c'est pesé. Ok, alors je peux juste revenir vite fait sur, mais sur bien ce que tu as dit. Alors en fait, les premiers trackers sont apparus quand même un petit peu plus tard, juste à partir de 84 et 85, date de sortie du Commodore 64 et de l'Amstrad CPC. Comme tu le disais justement, on peut faire de la musique avec des samples, mais on peut aussi faire de la musique avec du son généré par l'ordinateur. D'accord ? C'est ce qui fait la différence entre le tracker et le soundchip. Le soundchip, musique qui est avec des sons générés par la puce qui est à l'intérieur du Commodore ou de l'Amstrad. Donc c'est les petites musiques d'ordinateur avec des blip blip dans tous les sens. Et après, la musique tracker qui, elle, utilise des samples, donc des petits bouts de son réels que l'ordinateur transpose pour recréer l'ensemble des notes de la gamme. Vous m'arrêtez si je me trompe. Oui, c'est ça. Et puis on peut aussi faire des mélanges des deux. Ouais. Ça se faisait d'ailleurs même sur... Enfin, ça se fait maintenant sur Amstrad, mais ça s'est fait sur Atari ST alors que c'était pas habituel. Mais sur Atari ST, il faut savoir qu'on c'est avait vrai. Que de la musique générée, des ondes sonores, mais il y avait des petits malins qui étaient très astucieux et qui arrivaient quand même à insérer des samples à très basse fréquence, de très mauvaise qualité, mais notamment pour rajouter des vraies percussions. Ouais. Et donc, du coup, on avait un mélange, les percussions poussaient un peu le morceau vers le haut. Mm-hmm. On avait une impression quand même de qualité bien supérieure, c'était sympathique. C'était une avancée à l'époque. Ouais, complètement. D'ailleurs, c'est ce qu'utilise actuellement comme méthode un musicien qui commence à devenir un petit peu populaire, qui a joué justement au Batofar avec nous il y a quelques mois de ça, qui s'appelle Ultracide. Donc Ultracide utilise, il joue sur Atari,
Enfin, c'est un peu spécial. Il a un set avec un Falcon, il a une Game Boy, il a tout un tas de bazar. Et les parties rythmiques sont des véritables samples, mais jouées par son Atari. Ce qui fait que tu as une impression un petit peu, tu sais, 8 bits, quoi. C'est un peu crunchy. Et par contre, les autres sons, eux, sont vraiment du Soundchip. Mm-hmm. C'est même devenu une mode récemment. Au Japon, il y a beaucoup il y a des concerts de Soundchip, etc. Ouais. C'est un vrai phénomène. Il y a le Blip au Japon, le Blip Fest au Japon, qui reprend qui était la même team que le Blip de New York. Oui. Donc c'est que ça. Format, il a joué au Blip de New York l'an dernier. Dub Mood aussi, je crois. Mais tout ça, ça vient aussi des synthés. Hein. Il y a des synthés de type Wave, en fait, où on pouvait mélanger de la synthèse avec des samples pour justement apporter. Apporter par exemple, on va faire une lead très électronique, mais on veut lui donner un punch qu'on peut pas avoir avec des sons générés. Mmh. On va prendre une microseconde d'un hi-hat ou quoi que ce soit. Mmh. On peut faire ça même sur des synthétiseurs. Ouais, et c'est assez marrant de se dire qu'aujourd'hui, on essaye d'avoir des sons crado avec des machines ultra puissantes et qui génèrent des sons ultra purs. Et quand t'as des super synthés de malade. Et nous à l'époque, on essayait de sampler au maximum, on filtrait, on avait du 8 bits, on était dans on essayait de faire du super propre. Et on était content qu'on avait un Charlet qui était très scintillant, etc. Exactement. C'est la différence aussi entre la chip music de maintenant, fait, et la chip music d'avant. Avant, vous essayez toujours de coller le plus de notes possible sur le pattern. Ouais, maintenant, les mecs, ils sont super minimal, ils font de la musique beaucoup plus pop aussi. Alors qu'avant, le sound chip, c'était bien complexe, il y avait pas un trou. C'est vrai qu'il y avait dans le tracking, notamment on va dire sur Amiga qui était quand même très populaire, on n'avait que 4 voix mono et donc du coup il y avait aussi la performance technique qui consistait, comme tu viens de le dire, à mettre le plus de notes possible et à épater un petit peu la galerie, il faut dire ce qui est. Hein. On n'était pas que des compositeurs, on essayait aussi de se dire regarde ce que j'ai fait en 4 voix et des fois même en 3 voix pour placer des bruitages et le but c'était un petit peu de... Il y avait un petit peu d'esbrouf. Hein. Exactement, et au fil des années en fait, ProTracker ou SoundTracker comme on veut, a mis en place des nouveaux effets qui permettaient, je dirais, d'aller un petit peu plus loin, justement, dans l'impression que tu donnais à l'auditeur, qu'il y avait beaucoup plus que 4 voix. Mais ça, on va le voir après dans les petits MP3 qu'on a préparés. Bien sûr, d'ailleurs, on va commencer tout de suite. Et je rappelle aux auditeurs, s'ils veulent intervenir à l'antenne, bien sûr, vous pouvez. C'est toujours antenne libre sur Radio Aussi maintenant, au 08 92 23 95 20. Nous allons commencer notre petit périple tracker avec ce que tu nous as préparé, ça s'appelle Early Mods. Early Mods, alors ça c'est une petite compilation en fait des tout premiers modules qui sont sortis sur Amiga. Je n'ai pas du tout parlé de la Soundchip dans la petite compilation que j'ai faite. Là on est vraiment module, donc qu'est-ce qu'il est possible de faire avec des samples. À l'intérieur de ce petit MP3, vous allez entendre ce qui est historiquement supposé être le tout premier module sorti sur Amiga. Qui s'appelait Amigas. Ah non, il est en deuxième, excuse-moi. Tu peux le mettre peut-être ? Je balance Amigas. Amigas, ouais, Amigas. C'est parti. Waouh. Ah oui, ça c'est old school. Hein. Donc pour la petite histoire, cette musique a été utilisée pour un jeu vidéo. C'est vrai. Qui est un clone d'Arkanoid. Qui s'appelait Amigas. Et donc pour ça, ils ont demandé à monsieur Karsten Obarski, qui est le concepteur de SoundTracker, celui qui a inventé ce logiciel, de faire une musique pour l'occasion. Il a une maîtrise du charme assez... assez phénoménal. Mais c'est vrai que là, c'est l'époque aussi. Effectivement, on appelait même les musiques ST01, ST02, parce qu'en fait, ce compositeur avait nommé ses banques avec un ST0 quelque chose, et du coup, beaucoup de gens au début n'ont utilisé que ça. Ouais. Il y a eu un certain temps avant qu'on commence à faire ses propres banques. Donc, du coup, au bout d'un certain temps, quand on entendait ses samples, ça nous faisait rire parce que c'était vraiment un peu. Ça faisait cheap, quoi. ST00. Et... Hein. ST00. C'est vrai que ça a réagi sur le forum. Ouais, sur le chat. Ouais. Voilà, alors là ça s'appelle, c'est une démo qui s'appelait Echoing. Non, c'est pas une démo, c'est juste la musique. Early Mods, attends, on va s'arrêter quelques secondes encore sur Amigas. Ouais. Donc 1987, si je ne m'abuse. Exactement. Waouh. Donc ça nous rajeunit pas. Hein. On est bien reçu. Hein. Ah oui, j'avais 3 ans à l'époque. Oula. Oh là là, attends, il faut pas qu'on boive trop de champ là parce que sinon ça va pas aller loin. Merci Doc. Oui, je précise qu'on fête mon mariage de la semaine dernière aussi, donc champagne pour tout le monde. Félicitations. Hein. Ah bah, merci. T'as pas de verre toi? Ah non, c'est William qui l'a. Comme d'habitude. Bon.
On le connaît, lui. Non, c'est bon, il y en avait un quatrième, tu vois, t'avais le droit en avoir. Messieurs, revenons à nos moutons. Ouais, ouais. Merci. Un Megas qui a été fait par Karsten, donc est-ce que vous avez connu Karsten à l'époque? Pas du tout. Pas du tout, non. Pas du tout, il venait de quel pays? On se demandait même s'il existait, d'ailleurs. C'était peut-être un concept, en fin c'était peut-être compte. Un concept. Ah oui. Vu que ça a été fait par l'équipe des développeurs, donc ça... C'était peut-être une musique de démo sans. Moi, en tout cas, je ne l'ai jamais rencontré depuis 25 ans que j'ai commencé l'Amiga. Ouais. Jamais. Il était de quelle origine? Je crois qu'il était allemand. Je ne suis pas sûr. Mais non, il a pas un nom qui sonne allemand. Je devais avoir environ quoi, moi? 5 ans? Ouais, un truc comme ça, donc. Ouais. Bon, on va enchaîner avec Early Modes, donc Germany, 1985. Early Modes, Reynald. Donc Early Modes, j'ai fait une petite compile de 4-5 modules, si tu veux, oui. Qui ont été faits justement en utilisant les banques de sons, comme disait Raphaël, les fameux ST0, ST01. Tout le monde les utilisait, d'accord, massivement, puisqu'il y avait, il n'y avait pas d'internet à l'époque, mais avec le tracker que tu mettais sur disquette, tu avais déjà la banque ST00 qui était donnée. Exactement, et on écoute tout de suite Early Modes, 1 minute 46. Donc voilà, ça c'est un module qui s'appelle Echoing, qui a fait le tour des Amiga. Ah oui. Ah bah voilà, super. Sur le chat, il y a une capture d'écran du Pro Tracker. Voilà. Tu te souviens de ce module, Raphaël, là? Ah bah carrément. Ouais. Ah ouais. Et ça? Oh, oh là là, des alors, petites madeleines de Proust voilà. Qui sortent comme ça. Ça c'est un module qui s'appelait Pretend, qui a été fait non pas en utilisant son tracker, il a été converti après, mais en utilisant... Putain, comment ça s'appelait, je sais plus. Sonix? Peut-être, IGX Sonix. IGX Sonix, ouais, tout à fait, ouais, je pense que c'est IGX Sonix. Heureusement que je suis entre les deux là, parce que sinon on se pécho. Attends, comment il s'appelait celui-là? Ça va me revenir. Mais IGX Sonix, t'en parles, mais il était beaucoup plus pointu par contre que les trackers. IGX Sonix, il reposait sur vraiment la génération d'ondes, mais très poussée pour un Amiga. Ouais. Et en plus, ça reposait sur l'écriture de partition au lieu de traquer. On en parlera peut-être plus tard, mais c'est vrai que ça aussi, ça a été un moment de l'histoire du son sur Amiga. Il y a eu beaucoup de jeux qui ont marqué, par exemple Sword of Sodan. La musique était faite avec Sonix, avec IGX Sonix. Ouais. Absolument. Ça, c'était comment? Sarcophaser. Putain, j'ai l'impression d'avoir 200 ans quoi. Sarcophaser, les... Si ça se trouve, l'ancien président, vous avez la démo, on sait rien. Ça, c'était Sleepwalk. Oui, je m'en souviens aussi. Ah, cette string aussi, elle a été utilisée hein. Méchamment. Ouais. On va parler un peu, déjà, qu'est-ce que vous appelez string, messieurs? Ah oui, alors c'est définissez un sample de violon, pour faire simple, mais le violon plutôt synthétique, là, le son aigu qu'on entend jouer la mélodie, et celui-là en particulier, il a beaucoup circulé sur Amiga, vraiment. Ou encore plus simple, ça vient de l'anglais corde. Oui. Oh oui, excusez-moi, mais si j'avais dit corde, il aurait fallu que je précise quand même violon, etc., parce que corde, c'est plus général. Oui, messieurs, excusez-moi, j'étais avec Olivier. Ouais. Bon, on va enchaîner en 1990. Alors, excusez mon accent, je ne sais pas c'est quelle langue. Klijs pas Klijs. Pas mieux. C'est du néerlandais. C'est du néerlandais, d'accord. Le fameux Walkman. Fameux Walkman. Alors, avant que la musique commence, donc ça, c'est... c'est mon expérience personnelle, c'est un des modules qui m'a clairement le plus marqué. À l'intérieur, on a un morceau de piano qui est construit comme si la personne était derrière un clavier. Et je faisais partie d'une démo qui s'appelait Hunt for Red October, je crois, où il y avait un sous-marin, un avion. Enfin, c'était les débuts de la 3D, on va dire, sur Amiga. Et avec cette musique-là pour l'accompagner. Magnifique, elle m'a marqué aussi. Hein, la claque, quoi. Vraiment. Ni plus ni moins. Est-ce que c'est un quelconque rapport avec le Hunt of the Red October de Basil Poledouris? Bah pas du tout, mais pas du tout. Ni le film ni la musique d'ailleurs, mais en tout cas le nom est similaire effectivement. Ok, bah c'est parti pour Walkman de Klijs pas Klijs. Excusez-moi. 1990. Ouais. Moi je revois la démo devant mes yeux quoi, tu vois, je l'ai regardé un million de fois, c'est tout quoi. Par contre là,
pour chipoter un petit peu, et là c'est le vieux dinosaure qui parle, mais il y a un petit problème d'émulation, et la fretless bass, elle monte un peu trop vite. Ouais. Le portamento se fait trop vite sur la première note, alors qu'il se faisait plus doucement à l'origine. Attention, l'expert qui parle. Non, c'est pas l'expert, mais ça, je l'ai tellement écouté. On en avait parlé avant, le problème c'est que ProTracker et FastTracker avaient leur propre façon de faire les portamento, qui est suivi, je pense, par Renoise. Ouais, exactement. Donc, c'est un vrai. Oui. Pas très bien là. On peut dire que. On sent que non. Ouais. C'est le premier module que j'ai écouté sur Atari, ça me prenait 100% du temps machine. Sur Atari STR. Ah bah oui, de toute façon, si on voulait ça sur Atari, on avait que ça. Parce que les premiers Atari ST n'étaient pas comme l'Amiga. Hein. Je crois que ça rejouait à 11 kHz maxi. Et les 4 pistes le mettaient sur ces. Mais quoique, moi je me souviens d'un jeu vidéo français remarquable qui s'appelait Sapiens. Ouais, Sapiens. Et qui est sorti quand même plutôt au début de l'Atari ST. Et ben, qui arrivait à avoir 3 voix, pas 4, mais les 3 voix de l'Atari qui jouaient des samples. Et avec un jeu derrière qui tournait, et pas un petit jeu quand même. C'était un jeu en fractal. Sapiens, donc, c'était excellent. C'était génial. On taillait même son silex pour aller chasser. C'était dément. Et les décors étaient générés en temps réel, en fractal. Du coup, on jouait jamais la même partie. Et ils avaient réussi, c'est pour ça que j'étais étonné sur Atari, en fait, on aurait pu le faire sur tous les jeux, puisque eux le faisaient sur un vrai jeu, on avait du sample. Alors c'était pas la même qualité qu'un Amiga, il y avait beaucoup de souffle, mais il y avait quand même 3 voix en sample. Donc c'est vrai qu'à l'époque, je m'étais dit, ça y est, le ST, parce que moi j'étais d'abord sur ST, mais avant de faire de la démo sur Amiga, mais j'ai été sur ST quand même, Atari. Bien sûr. Pas dans la démo, mais en tant que joueur, j'ai adoré le ST. Et je me disais, mais ça y est, le ST fait l'Amiga, etc. Et non, ça s'est pas prolongé. Exactement. Et là, toi, tu vas te faire défoncer à la sortie. Hein. C'est possible. T'as des mecs là qui t'entendent dire ça, ils sont à la sortie là. Oh, la guerre. J'assume. Il n'y a jamais eu de guerre, j'ai eu les deux. Donc voilà, j'ai eu le 64, le Amstrad, le Spectrum. Très ouvert. J'assume. Une petite question du chat. Est-ce que ces musiques de jeu, tous ces XM, tous ces mods, sont dans le domaine public actuellement? Bien sûr. C'est compliqué. Non, pas tous. On peut pas dire ça parce que déjà en France, rien qu'en France, si un compositeur est membre de... Oui, mais non. Si en France, t'es compositeur et que tu es membre de la SACEM, c'est de la théorie, bien sûr. Hein. Mm-hmm. Mais normalement, en tant que membre de la SACEM, tu déclares tout ce que tu fais. Donc, a priori, si tu as fait la musique d'un jeu dans les années 80, même si t'étais pas à la SACEM, tu dois quand même le déclarer a posteriori. D'accord. Et donc, il y a quand même une notion de droit d'auteur qui s'applique dessus. Bon, évidemment... C'est ça, encore une fois, c'est de la théorie, mais c'est pas si simple quand même. Quoi. C'est pas parce qu'un truc est vieux que forcément il est gratuit, accessible. D'ailleurs, les éditeurs, même comme Sega et Nintendo, l'ont bien compris, parce que depuis un certain temps, on ressort les vieux jeux que nous, on avait sur émulateur les années début 2000, fin 90. Mm-hmm. Et maintenant, c'est très réglementé et tu peux plus faire ce que tu veux. Les abandonware, tout ça, on peut devoir faire du ménage, je sais pas, mais c'est vrai que c'est pas si simple. C'est un peu étrange, parce que justement dans les abandonware, par exemple, je prends l'exemple de Duke Nukem 3D. Mmh, mmh. Donc celui qui a composé la musique originale, donc le thème de Duke Nukem s'appelle Grabag, je ne me souviens plus de l'auteur original, on la retrouve dans plusieurs versions. Oui. Parce qu'on tape sur YouTube, on voit version commerciale, version originale, il y a même une version Megadeth remixée. Mm-hmm. Mais est-ce qu'ils avaient le droit au final de remixer une alors, musique? Alors sur YouTube, de toute façon, si tu te poses la question de est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit, alors là tu vas vers un tu vas dans un mur total, parce que rien. Sur YouTube on met ce qu'on veut, personne ne contrôle, ça aussi c'est de la théorie, le contrôle de YouTube, c'est contrôlé uniquement si quelqu'un entre guillemets dénonce. Si quelqu'un rapporte que telle vidéo viole les droits d'auteur ou tel droit moral, etc. Donc, du coup, c'est même pas la peine de te poser la question quand tu vois quelque chose sur YouTube si les personnes qui l'ont posté en avaient la permission, la possibilité, etc. Donc, c'est l'anarchie complète, YouTube. Donc, t'as des covers, tu sais pas si c'est des covers, t'as des trucs officiels, tu penses que c'est des covers, enfin, tu vois, c'est faire le tri là-dedans, d'être l'ayant droit, tu sais pas. Et c'est un peu, en fait, c'est super obscur cette histoire de droit sur YouTube, parce qu'il m'est arrivé une histoire pas possible, enfin là-dessus. J'upload une musique à moi, bon, un petit clip à la con, et 2 semaines plus tard, je reçois dans ma boîte un mail de la SACEM qui dit que la musique que j'ai faite est déjà utilisée par un artiste très connu, hein, on va fermer mon compte, etc. etc. Sans déconner. Un truc de fou. Donc je me rapproche de la SACEM, je pose des questions, et il s'est trouvé qu'en fait, YouTube, et peut-être d'autres, ont un système de fonctionnement où tu as des robots qui arrivent à écouter, si tu veux, la musique. C'est le ils font une sorte de reconnaissance automatique de la musique. Et il se trouve qu'une partie de la musique ressemble à une mélodie de... Je pourrais même pas te dire. Donc,
plagiat. S'ils commencent à faire comme ça, ils ont pas fini parce que déjà. C'est déjà actif hein, sur Facebook. Hein, t'as ça, tu vas poster une vidéo, mais il va faire une reconnaissance du cours spectral avec l'algo de Shazam. Ah bon. C'est un peu dans ah le truc, putain. Et d'accord. Tu te fais quasiment en temps réel virer. D'accord. C'est incroyable, ça m'est jamais arrivé. Ça pourtant j'en poste hein, sur YouTube. Hein. Alors tu vas sur ma vidéo, c'était marqué cette vidéo viole les droits machin, SACEM, etc. Sony Music bidule. Ça fait bizarre, tu sais. Mais quoi, t'es sûr que c'est pas suite. Non, mais je veux dire, c'est pas suite à une réclamation de quelqu'un. Je n'en sais rien. Est-ce que c'est juste ça, une reconnaissance? T'as pas la possibilité de le savoir. Tout ce que tu reçois, c'est un mail. T'as pas un machin vous a dénoncé. D'accord. Bon, voilà. Ah oui, c'est étonnant. Tu vois. On va enchaîner avec en 1990 avec Moby, donc pas le même Moby commercial qui a fait We Are All Made of Stars show, par exemple. Ah non, on parle pas dessus. C'est pas non, le même. Si, si, si. Non, c'est notre ami Fredo dont on parle là. Donc ex musicien chez Calypso, c'est Frédéric Mott. Frédéric Mott. Donc avec Copper Master, un morceau que j'apprécie énormément. C'est parti. Angels. Non. Ah bah oui, t'as pas le bon. C'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Tu t'es trompé. Ouais. Je me suis trompé. Ouais, parce que j'ai le bon là sur ma machine. T'as une clé bien prêtée ou je vais le donner tout de suite? Ok, non. Bon, on va enchaîner une année après. Hein. Tu voilà. Me donneras tout à l'heure. Les joies du direct. Voilà. Les joies du direct. Avec Jesper Kidd. Il va être très content hein, en plus. Hein. Bah ouais, ouais. Jesper Kidd, Global Trash. Global Trash, ouais. Connaissez monsieur? Ah bah bien sûr, ouais. Je l'ai croisé plusieurs fois à l'époque. Et puis maintenant, c'est lui qui est... sur les qui est la musique par exemple de tous les Assassin's Creed, les Hitman que tout le monde connaît. Voilà, il est parti à la base il est danois je crois et il est parti s'installer à New York il y a une bonne dizaine d'années et il en est jamais reparti et ça marche très bien pour lui. Il a vraiment il fait une très belle carrière dans le jeu vidéo. Alors c'est parti pour Jesper Kidd. 1991. Ouais. Il y a une réflexion de Amiga 1200 qui dit que Jesper Kidd a fait aussi des zik sur Mega Drive dans ses débuts de sa carrière. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je sais plus comment s'appelait cette boîte pour laquelle il travaillait, mais effectivement. Il y a des gens qui connaissent le parcours de tout le monde. Même toi, à mon avis, là, t'as des fans. Hein. Voilà. Oui, il y a des fans sur les forums. Ouais, et d'ailleurs. Oui. Il faut qu'il dédicace sa chemise, un t-shirt. C'est la fête aujourd'hui. Hein. Allez, tu veux signer Iso Monster. Okay. Mais je vais y penser. Un nouveau pseudo Iso Monster, c'est pas bête. Ouais. Hein, dans la continuité. Ça fait un petit peu Warez. Il y a de l'idée. Il y a un petit côté SF qui me plaît bien. Prometheus, tout ça. Non, j'aime bien. Non, vraiment. Comme on parlait de Mega Drive et de Super Nintendo, moi je me posais la question, alors, dans mes souvenirs d'enfance, on disait toujours que la Super Nintendo avait un meilleur son que la Mega Drive. Alors est-ce que ça venait des compositeurs ou des puces? Déjà, alors, déjà c'est faux. On peut pas dire ça du tout. C'est très simple à expliquer. La Mega Drive était beaucoup plus impressionnante en termes de performance sonore que la SNES, en ce sens que effectivement on avait quasiment que du son généré, bien qu'on pouvait, comme j'expliquais tout à l'heure sur ST, tricher un peu en mettant des percussions en sample, mais vraiment très peu, parce que ça bouffait tellement de mémoire et de pros qu'on le faisait vraiment sporadiquement. Mais par contre, sur Super Nintendo, on avait la possibilité d'utiliser des samples comme sur Amiga, mais avec, contrairement à l'Amiga, 8 pistes mono. Et donc, non, même stéréo en plus. Amiga, c'était 4 pistes mono et la SNES, c'était 8 pistes stéréo, enfin en moyenne. Et du coup, on avait aussi l'utilisation de reverb qui était possible sur SNES, donc on avait quand même un rendu qui faisait plus propre à l'oreille, parce qu'on avait des sons un peu plus réalistes, et à l'époque de la Super Nintendo, on cherchait quand même encore, à cette époque-là, le réalisme dans le son, dans un jeu vidéo, alors qu'aujourd'hui, on revient à des bip-bip, etc. Les sons étaient tellement compressés, en fait. Ils étaient très compressés, mais en même temps très purs, quand tu descendais à des basses fréquences, ça restait très pur, contrairement à d'autres machines. Mais par contre, la Mega Drive permettait vraiment d'expérimenter des choses. C'était de la FM, c'est de la puce Yamaha. De la vraie FM, et il y avait, pour moi, les meilleurs exemples sur Mega Drive, moi j'ai très peu bossé sur Mega Drive, mais il y a un compositeur qui s'appelle Yuzo Koshiro, que les fans connaissent Yuzo forcément, Koshiro, ouais. Et qui avait fait les musiques de Street of Rage 1, 2, 3. Okay. Si vous voulez savoir
savoir ce que peut faire une Mega Drive au niveau sonore, vous mettez n'importe quel Street of Rage, vous faites la... En plus, il y a la track, on peut écouter les tracks séparément dans le menu. C'est un vrai album de musique électro à l'époque, avec des effets incroyables, une maîtrise du chip sonore et des compositions super intéressantes. Et là, vraiment, c'est pour moi, pour vendre le son d'une Mega Drive, c'est les jeux, c'est Street of Rage. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont... De toute façon, la question se pose pas. Les gens ne retournent pas à la Super Nintendo pour faire du son avec la Super Nintendo et reviennent à la Mega Drive. Exactement. Quelqu'un a sorti il n'y a pas longtemps une cartouche qui fonctionne comme MIDI NES, donc une cartouche NES que tu mets dans ta NES et qui sort des câbles MIDI pour utiliser ta NES, pour faire utiliser le sound chip de ta NES. Quelqu'un a fait la même sur Mega Drive. Donc le son est plus légendaire, c'est une puce Yamaha. C'est pas au nombre de pistes que ça se calcule, mais c'est surtout, je crois, il y a trois opérateurs FM. Et je dis peut-être un truc, c'est deux mémoires. Donc non, c'est pas comparable. D'accord. Bon. Voilà. Ok. Vous m'avez calmé. Disons qu'un musicien est normalement plus impressionné par la Mega Drive, par le son de la Mega Drive, les possibilités sonores de la Mega Drive, que celui de la SNES. Même si celui de la SNES offre un confort apparent bien plus important, mais illusoire à mon avis. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est sur les machines Sega, donc en l'occurrence la Mega Drive. Il y avait beaucoup de soundtracks disponibles avec le jeu via cheat code ou via directement le menu. Oui. Et je me souviens m'avoir fait des trips quand j'étais tout gamin, écouter les musiques de Sonic 1, Sonic 2 en boucle, qui étaient magnifiques pour ces plateformes. C'était vraiment très bon, quoi. La tradition des sound tests, tout simplement. Plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est un business. Puis maintenant, tu les as... Enfin, je me souviens qu'on les avait toujours, mais il me semble que normalement, il fallait aussi débloquer des niveaux pour gagner des nouveaux... Après, c'est devenu comme ça, effectivement. Il y a eu une époque où on les mettait systématiquement. C'est vrai que c'était un petit peu dans le cahier des charges. Tu mettais un sound test dans un jeu, voilà, parce que la musique de jeu, déjà, c'était un petit peu le parent pauvre du jeu. Donc, le producteur s'en foutait carrément, on peut le dire. Donc, ouais, vas-y, balance. Mais après, évidemment, maintenant, on n'est plus du tout à la même époque. Et effectivement, il y a eu cette époque dont tu parles de transition. On y accédait avec des cheat codes. Parce que t'as quand même des mèmes qui se sont faits à partir des musiques de jeu. Je pense à le thème de Guile pour Street Fighter 2 qui est devenu un mème où les mecs sur YouTube postent n'importe quelle séquence qui vient d'une série, d'un autre jeu vidéo, d'un film, d'un documentaire et ils disent le thème de Guile, ça va partout. Et ils mettent le thème de Guile sur des mecs qui se coursent. Ouais. Exactement. Ouais, c'est un peu du contenu inutile. Enfin, la musique de Guy, c'est Street Fighter, c'est pas autre chose. Ouais. Non, ça va super bien, surtout. Bah, c'est dire la qualité de la composition à la base. Mm-hmm. Musique de Street Fighter 2, entre le thème de Guy, le Ken Stage, qui est excellentissime. Moi, je m'en lasse pas, même maintenant. C'est des classiques. Hein, c'est jeu, des classiques, hein, vraiment excellent. Quoi. Attendez. Il y a un feedback là. Il y a un feedback, oui. Attendez, 30 secondes. Formation bidon. Et nous allons enchaîner avec 1991, Nuke Limonade. Ah, Nuke, alors. Attends. Vas-y, explique-nous tout. Alors, Nuke, pour moi, le musicien emblématique, un de mes modèles, on peut le dire ça comme ça. Moi, j'ai découvert, j'ai découvert ce musicien dans un club informatique qui s'appelait le club Microtel, qui était à Melun. Plein de gens étaient là-bas. Il y en a quelques-uns que vous avez peut-être connaître, comme Motif, comme Grisor. Ah, Ludovic, je me souviens. Voilà, Grisor était là-bas aussi. Bref. Et un beau jour, on me dit, tiens, on vient de récupérer les modules d'un type, un anglais en l'occurrence, Martin Iveson. Donc Nuke, bon, ok, très bien. On a mis le module. Le module s'appelait Mint. C'était pas celui que je vous ai donné. Et alors là, claque générale. Tout à l'heure, on se demandait comment, en 4 voix, on arrivait à donner la sensation de 8 pistes. Là, en 4 voix, c'était du 16 pistes. C'est juste impressionnant. Musicien dans l'âme. Très bon mélodiste. Très bon mélodiste. Rien à dire. Enfin, c'est quelque chose qui s'écoute simplement et vraiment une sensibilité également. Il est un petit peu dans la même veine que les Bruno, tu vois. Qu'est-ce qu'il y avait ? Très éclectique, en fait. Beaucoup de styles différents. Exactement. Après, c'est orienté plus vers la funk. Curieusement, dans son parcours, je dirais, artistique, Nuke a dérivé autour de la funk, après il a complètement arrêté, après il est parti chez Eidos. Eidos, il a fait un Tomb Raider. Il a fait Tomb Raider, les musiques. Entre autres. Voilà. Après il a... Pas le premier, hein, Tomb Raider, il en a fait un, il a fait celui de la PS2, l'épisode unique sorti sur PS2, comment il s'appelait, je ne sais plus, Tomb Raider, je ne sais plus, mais le moins bon d'ailleurs. Mais par contre il avait un orchestre symphonique pour ce Tomb Raider, je me souviens. C'était, il avait de gros moyens. Moi, c'est tout simple, comment j'ai connu Nuke, c'est tout simplement qu'on m'a dit, tiens, il y a un compositeur qui a fait un module hommage à toi, hommage à Audio Monster, et il s'appelait Nuke,
Et moi, c'est comme ça que je l'ai connu. Effectivement, il avait fait un module un peu dans la mouvance de ce que je faisais à l'époque, avec des guitares wah-wah, des choses comme ça. À une époque, je faisais ça. Et c'est comme ça que je l'ai connu, quoi. Voilà. Et maintenant, pour la petite histoire, pour terminer, Nuke a changé de pseudo. Maintenant, il s'appelle Ajaz. Et Ajaz, maintenant, est un DJ assez reconnu de la scène house. House minimal. Et voilà, j'ai fait la blague. House de couette. Ok. Je vais voir en temps réel, tu vois, les mecs qui m'ont bâché sur Facebook. Voilà, et voilà, vraiment un musicien super. Et voilà, rien à dire, juste à écouter. On écoute tout de suite Nuke Limonade. De lui qu'on a eu 10 ans de funk dans la démocratie en fait. Il avait fait une reprise de la musique de Starsky Hutch qu'il avait fait aussi sur, sur Amiga. Ouais. Alors je précise que c'est Reynald qui chante, hein, c'est pas dans le module d'origine, parce que l'instrument faisait un petit peu trop. Ressortait un petit peu du mix. Voilà, je suis pas objectif. Très bon morceau, c'est vrai, ça fait très très funk quand même. Ouais, carrément. Mais d'ailleurs, pour faire des, dans le funk, c'est la ligne de basse qui prédomine en général. C'est pas trop compliqué de faire la ligne de basse en tracker. Ah non, t'as toutes les commandes qu'il faut. Faut slider, faut mettre du délai aussi. Bah, très simplement, moi je dirais que rien n'est compliqué en tracker à partir du moment où tu penses ta musique en amont. Enfin moi, en tout cas, je fais comme ça. C'est que je pense ma musique comme un musicien. Je me la chante dans la tête et après je recopie ce que je me suis chanté dans la tête. Et c'est comme si tu recopiais une ligne de basse que t'entends sur un disque, sauf que le disque il sort de ta tête. Si tu le fais en temps réel, en composant en temps réel, tu peux avoir plus de mal. Alors, je parle pas pour les autres. Clavier, hein. Sinon, voilà, il faut être rapide avec son clavier. Je pense que le mieux pour traquer, moi, c'est ce que je fais toujours, hein, que ce soit le jeu ou le cinoche, je fais comme ça. Je pense la piste que je suis en train de faire, la piste instrumentale, et après, je recopie ce que je viens de penser. Et c'est là que tu as ce côté un petit peu joué que tu peux rendre avec un tracker. Très bien. Et on va enchaîner toujours en 1991 avec Type FFX, Enigma. Ah oui, alors attends. Type FFX. Oui, vas-y. Firefox. Okay. Firefox. Ou Mantronix aussi. Parce exactement. Il y a eu deux duos avec un dénominateur commun. Exactement. Donc, association de deux musiciens, Type et Firefox, qui ont fait ensemble, enfin, plus Firefox que Type, la musique de la Enigma. La Enigma, démo emblématique, enfin, je pense que tout le monde la connaît. Voilà, avec un petit peu de. C'était de la 3D qui n'était pas générée, qui était. Je ne sais pas, précalculé, je ne sais pas. Il y avait des histoires de boules là qui semblaient être en. Je ne connais que dalle en 3D, mais bon. Voilà. Et le reste de la démo sublime, des champs d'étoiles, des vaisseaux, tout ce qu'on veut, tous les ingrédients qui vont bien. Une musique super dynamique qui mettait tout de suite le ton dès les premières notes. Exactement. Qui a été remixée par la suite et même encore maintenant. Et même par moi d'ailleurs. C'était toi en fait. Et voilà. C'était quel support à la base ? Amiga. Amiga. Excusez-moi de l'affront. Pas de problème. Enfin. Amiga 500. Amiga 500. Allez, c'est parti pour Type FFX Enigma. Problème d'émulation là. Ah ouais, carrément. Ah ouais. Il y a des instruments qui se coupent là. Les accords plaqués là, ils sont. Ouais, un petit peu, ouais. Donc ça vient de la conversion des modules faite avec Renoise. Hein. Tu t'as réduit un Amiga. Voilà, il faut jouer avec un Amiga, c'est comme ça, là les fans, ils vont criser. Hein. XMPlay versus avec Wine. Avec ça, on peut pas faire de l'Amiga. Non mais là, on va pas... Ah non, c'est faux, tu peux. Tu boot en parallèle. Ah voilà. Tu boot Windows en parallèle, tu sors WinUAE, c'est bon. Tout à fait, là t'as ce qu'il faut. Là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je suis sur Facebook, sur le flux... que j'ai lancé sur ma page, ouais. Et je pense qu'il y a autant d'activités que sur le chat. Vas-y, bah on voit, t'as le droit. Ouais. Voilà, notamment Christophe Le Sage, donc oui, pour ceux qui connaissent pas, Docteur Yes, un des organisateurs de que je salue au passage. Voilà, de la LTP, qui commente « Salut Christophe, tu vois, je parle de toi ». Et voilà, tatata, putain, trop bien, ça va les gars, vous picolez bien, enfin bon. Oh, on boit de l'eau. Hein. On boit de l'eau et on fait quelque chose. De l'eau avec des petites boules. Il n'est pas tout seul, il n'y a pas ta pomme aussi là. Ah. Fait, hé, 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 hé.
Et on va arriver en 1992 avec Melon Mania d'Audio Monster. Ah bon bah alors là. Donc alors Audio ou ISO Monster. Ah mais maintenant tu m'as troublé hein, je me tâte hein. Tu te tâtes. Bon. Ouais. Alors bon, tu peux nous rappeler un peu ton parcours de la démo scène en 2012? Parce que bon, tu as l'air très très connu de la scène. Pas du tout. J'étais. Tu étais. Maintenant, je suis un vieux débris de la scène. Ouais, ouais mais tu as il fait a, quand même. Il marche avec un déambulateur. Voilà, c'est vraiment. Mais tu as quand même pas mal œuvré dans le jeu vidéo, des jeux vidéo très connus. Donc, pour en citer quelques-uns, Mr. Nuts sur Super NES, Chaque Fou, l'indémodable Flashback. Donc Flashback, Eric Chahi avait bossé dessus, je me souviens non, plus. Non, non, non. Eric Chahi a fait Another World, mais chez Delphine voilà, aussi. Je confonds alors. On les confond souvent, c'est vrai, parce qu'ils sont un peu de la même époque et de la même boîte, donc forcément. Voilà, alors parle-nous un peu de ton parcours. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment t'es rentré dans la démo scène déjà? Alors, en fait, moi, au départ, je suis un gamer. C'est le jeu vidéo qui m'a amené à la musique, à la démo et à en faire mon métier, parce que je joue depuis que je suis gamin, je collectionne les consoles depuis que je suis gamin, j'ai tout gardé depuis environ 35 ans. Et donc, il est arrivé une époque où il y avait, là vraiment où j'ai commencé à faire de la musique, c'est à l'époque des machines 8 bits comme l'Amstrad LC64. Et je me suis mis à faire des musiques sur Amstrad en les programmant en basique et langage machine. C'était compliqué à l'époque, il fallait vraiment coder tout soi-même, il n'y avait pas d'outils. Mais après, l'Atari ST est arrivé, ça m'a vraiment encore ouvert des horizons sur la musique, sur l'informatique musicale, parce qu'à l'époque, l'informatique musicale, ça voulait rien dire, c'était vraiment très nouveau. Et quand enfin l'Amiga est arrivé, je suis tombé bêtement, toujours en gamer, j'écoutais sans arrêt des musiques de jeux, j'étais passionné par ça, j'avais vraiment une attirance pour ça, sans en faire non plus mon activité, j'y pensais pas. Mais un jour, je suis tombé sur un logiciel qui s'appelait SoundFX, et pas SoundTracker, mais c'était aussi un tracker, mais fait par des Allemands, une boîte qui s'appelait Linel Software. Et là, ça a été vraiment le coup de foudre. Je me suis rendu compte qu'en programmant un peu des notes qui étaient elles-mêmes assignées à des samples, on pouvait avoir de la musique réaliste comme ça, de chez soi, sans avoir à chercher des musiciens, etc. Donc ça a été le coup de foudre. J'ai commencé à tâtonner, à faire des petites musiques que je ne ferai jamais écouter à personne dans un souci quand même de, comment dire, de préservation de l'oreille humaine. Mais, simplement pour faire continuer la légende. Oui, peut-être aussi, s'il y en a une. Mais en tout cas, je me suis mis à faire des adaptations aussi de succès de l'époque, du cinéma, etc. Donc je me suis amusé. Et puis petit à petit, autour de moi, on commençait à me dire que c'était bien. Quand j'ai commencé à faire mes propres compositions, on a commencé à me dire que c'était pas mal dans l'entourage. Moi, j'y croyais pas trop, etc. Et puis un jour, j'ai vu le phénomène des démos se lancer, et c'est là que je crois que ce qui m'a amené au monde de la démo, c'est tout simplement le fait de traîner dans les magasins de jeux vidéo de Paris. Parce qu'à l'époque, à République, bien sûr, Place de la République, c'était vraiment le village du jeu vidéo. Et en fait, moi j'y allais bon, pour m'acheter un jeu de temps en temps, mais aussi je rencontrais plein de gens là-bas. Et pour regarder les jaquettes. Les jaquettes devant, de l'époque, elles étaient magnifiques, c'était des œuvres d'art. Et je rêvais devant, effectivement, parce qu'on passe les offres. Après, pour en parler sur RTL après. Ça coûtait, ouais. Voilà, exactement. Mais ça coûtait, les jeux vidéo coûtaient très cher à cette époque-là, donc c'est vrai qu'on en avait très peu. Et il faut se l'avouer, on avait surtout 99% de nos jeux, c'était des copies. Et on allait aussi dans ces magasins pour faire des copies, parce qu'on se donnait rendez-vous avec des gens, avec des copains. Tiens, j'ai reçu sur les BBS. Alors les BBS, c'était des serveurs à l'époque, on n'avait pas Internet, mais on pouvait quand même télécharger des trucs. Enfin, c'est l'ancêtre du détail. FTP. Voilà, c'est l'ancêtre du FTP. Et donc du coup, j'allais chercher, faire mes emplettes là-bas, mes jeux copiés, etc. Et à force de côtoyer ce milieu-là, un jour, je me suis retrouvé dans ce qu'on appelait les démo parties. Et j'ai rencontré un programmeur qui était en train de montrer une ébauche de démo. Je crois que c'était ça ma première démo. Il s'appelait Ronan. Et je sais pas si tu te souviens, Rénal. C'est celui qui a fait la Eyes de Silence. Ouais. Et en fait, cette démo, c'était donc la fameuse Eyes de Silence dans laquelle j'ai mis une musique qui s'appelle Nebulos. Ah. Et donc, en fait, je l'ai croisé comme ça. Et moi, j'avais fait cette musique qui faisait 13 minutes et je sais plus, 110K ou un truc comme ça. Et Ronan m'avait vu en train de la jouer, pas loin de lui. Et puis, il m'a dit. Hey, mais ça m'intéresse, il parle un peu comme ça, mais ça m'intéresse. Là, c'est pas sympa pour lui. C'est... Non, si, il est vachement sympa en plus, il parle d'une voix très posée et tout, il disait ça m'intéresse, bon. Et tu fais de la musique, ça coûte pas cher en mémoire, et en plus c'est bien, tu voudrais pas faire de la démo. Voilà. Et j'ai mis ma musique dans sa démo, et en même temps, parce que c'est ça qui a été un coup de chance pour moi dans la démo, en même temps, j'avais fait deux autres morceaux, il y a un certain Thomas Landsburg, je ne sais pas comment ça s'est passé, d'accord. Mais Thomas Landsburg, elles ont été jusqu'à lui.
Et il a demandé à boire. À boire, oui, oui, on a soif. Et il a demandé à boire. Et il a demandé à boire. Non, et il a demandé, il a dit à un contact commun, c'est, je crois que c'était Mister Video. Je sais pas si tu te souviens, Mister Video. Bien sûr. Et de Dragons, tout ça, voilà. Dragons. Et il lui a dit, est-ce que tu peux te débrouiller pour que ces musiques soient dans ma démo si ça l'intéresse. Et il m'en a parlé, j'ai dit oui. Et du coup, dans la même partie, démo partie, j'étais sur deux grosses démos. Dont une avec deux musiques et ce qui fait que je me suis retrouvé du jour au lendemain il y avait un classement à l'époque d'un truc qui s'appelait les Eurocharts. C'était les classements des musiciens et un jour un copain musicien Reflex, Frédéric Cordier que je salue au passage. Salut Fred. Il m'appelle, on se voit et il me dit t'es au courant Raph? Je lui dis bah, je sais pas de quoi. Il me fait t'es dans les Eurocharts. Je lui dis ah super génial. Il dit attends c'est pas fini. Je lui dis quoi? Il me fait t'es premier. Et là j'avoue que j'en revenais pas parce que c'était je venais de faire ma première démo et tout de suite je me suis retrouvé là et j'y suis resté je sais pas 7 ou 8 mois consécutifs et c'est comme ça que ça s'est lancé. Et pour le jeu vidéo, alors là c'est grâce à un ami. Parce que moi, je faisais de la démo, mais toujours sans penser faire de la musique mon métier. C'était vraiment juste de la passion. Mais un jour, un ami persistait à me dire « Mais tu devrais faire du jeu, tu peux faire du jeu, tu peux faire du jeu. » Moi, je disais « Non, je veux faire des études, machin chouette. Gentil petit garçon. » En fait, j'avais pas envie du tout, mais bon, c'était pour faire genre. Et un jour, il m'a dit « Bon, bah, tu veux pas y aller? Moi, je vais prendre tes disquettes. » Il m'a même pas dit, même pas prévenu. Il a pris mes disquettes, il est allé chez Océan, chez Delphine. Il a dit « C'est le compositeur qu'il vous faut. » Et une semaine après, j'avais un coup de fil pour faire... la première fois, c'était Snow Bros. Après, ça a été Flashback Mr. Nuts. Ouais. Ça a enchaîné. Et après, ça m'a amené au Cinoche. Et voilà, quoi. Il me semble que pour Flashback, tu as récupéré des musiques existantes. Tu n'as pas tout composé. Non, j'ai rien composé. Moi, je dis que j'ai rien composé sur Flashback. J'ai fait la version Amiga à partir de la version Mega Drive. Donc, en fait, pour voir, se rendre compte de mon boulot, c'est j'ai la version Mega Drive sur une cassette audio. Et on me dit, convertis-les sur Amiga. Donc j'ai fait des modules Amiga et ça a donné ce qu'on peut entendre sur Amiga. Voilà. Mais après, j'ai fait la suite Fade to Black, mais là j'ai tout fait par contre. Ouais, voilà, c'était exactement la question d'Amiga 1200 sur le chat. Est-ce que Fade to Black sur PS1, c'était toi? Donc, Oui, absolument. Tu as fait tout de A à Z. De A à Z, musique, bruitage, même certaines voix dans la version française. C'est à voir. Ouais, pour la petite anecdote, au tout début de la version française de Fade to Black, on voit Conrad, donc le personnage principal, qui s'échappe d'une prison spatiale. Et il y a un complice qui se révèle à lui, qui s'appelle John O'Connor, et qui assassine un morph, les extraterrestres, les morphs, les méchants de l'histoire. Et ce morph, juste avant, est en train de parler à Conrad en lui disant au pénitencier lunaire New Alcatraz, il y a une entrée et pas de sortie. Toute tentative de boum, il se prend une balle dans la tête. Et la voix d'origine, c'était un acteur pro, très bon en plus, qu'il avait fait. C'est pas impossible. Mais en fait, l'acteur pro avait fait un truc que je trouvais moi très bien, mais Paul Cuisset, le concepteur du jeu, lui, il aimait pas ce qu'il avait fait. Et il m'avait entendu, moi, dans les couloirs, j'arrêtais pas de parler morph pour faire le con, comme ça, ça m'amusait, je parlais morph, voilà. Et il m'a dit, bah tiens, Raph, puisque tu fais souvent le malin, tu veux pas te mettre au micro et fais-le. Et je l'ai fait et il l'a gardé. Et voilà, c'est resté, c'est rigolo. Tu peux refaire le morph là? Alors, elle est un peu trafiquée la voix quand même, mais à la base ça faisait Et toi, au pénitencier lunaire, New Alcatraz, il y a une entrée et pas de sortie, toute tentative de. Voilà, ça va. Ouais, si vous vous plaignez régulièrement des traductions des jeux vidéo, vous pouvez aussi venir le taper. J'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Je reviens juste vite fait sur les Eurocharts, parce qu'aujourd'hui ça peut paraître complètement dingue. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les Eurocharts, comment ça se passait? On recevait c'est une quoi feuille. Une Eurochart? Les Eurocharts, c'était un classement mondial, on va dire, des mecs les plus appréciés de la communauté. Voilà, c'est ça, le plus populaire. C'est comme des awards. Et comment ça se passait? On votait pas sur Internet, il n'y avait pas d'Internet. Tu recevais une feuille à la maison avec des cases à cocher, tu remettais dans une enveloppe, tu mettais un timbre et tu renvoyais un gars. Ça, ouais. C'est incroyable quand on y repense. Et le mec, il compulsait tout ça, t'imagines même pas le nombre qu'il a pu recevoir. Et puis après, on recevait de nouveau une feuille, donc les Eurocharts, en disant, bah voilà, le premier, blablabla. Voilà, pour la petite anecdote, tu vois, à l'époque, avec le courrier, on pouvait en faire des Internet, choses. Ouais, avec le courriel. Le snail. Toujours une question pour ISO ou Audio Monster. alors une question assez technique du contexte de l'époque, toujours d'Amiga 1200. D'ailleurs Amiga, téléphone ou viens nous voir. Il y a Dr. Yass sur le chat, il vient d'arriver. Voilà, alors pourquoi as-tu refusé à Grisor certains mods pour Mods Anthology? Alors déjà je précise, Mods Anthology... Ça sent l'embrouille. C'est un piège, je quitte ce plateau. Qui
Alors déjà Joker, qu'est-ce que Joker. C'est mode anthologie. Non mais je vais faire mon Strauss-Kahn, je vais partir. Joker. Non mais en fait, j'ai ta robe de chambre, alors, déjà là, j'ai refusé. Définis ce que c'est mode anthologie déjà. Ah oui, alors mode anthologie, Reynald le fera mieux que moi, je pense. Alors mais... je vais te le dire ce voilà, que c'est exactement. Vas-y. Attention, j'ai pris des notes. C'est parti. Donc mode anthologie, une compilation en 4 CD, 16 000 modules, 18 000 modules, plus de 1000 heures d'écoute, compilation de 99%. Des musiciens qui ont fait de la musique sur Amiga, sur Atari, sur PC, sur ce que tu veux. Ça couvre la période 85 jusqu'en 96. Voilà, donc à l'origine, Mode Anthologie, c'était le premier volume, Grisor, voilà, Nicolas, Franck, avait comme idée de faire un deuxième volume qui n'a jamais été fait parce que ben, quand le Mode Anthologie 1 est sorti, on a commencé à avoir du MP3 sortir, donc faire des compiles de MP3 et Internet aussi. Enfin, je pense que ça, c'était plus tellement approprié. Donc voilà, donc mode anthologie, vous pouvez aller sur mon site parce que j'en fais un petit peu la promotion. Qui est le site Moonoff.com. Voilà. Voilà. Et j'ai un gros article justement sur mode anthologie. Il en reste encore quelques exemplaires disponibles qui sont chez moi et chez Gandalf. Et qui n'a rien à voir avec le Seigneur des Anneaux. Rien à voir du tout. Gandalf, pour rebondir sur les BBS, c'était le propriétaire de Ace BBS, qui était un des BBS les plus réputés de la démoscène. Dans les années 90. Voilà. Alors, Audio Monster, pourquoi t'as refusé à Grisor certains modes pour mode anthologie? Je pensais que j'allais passer à côté. Je pensais que t'allais embouser le bordel. C'est Gandalf Agi, ça? Oui. Ok. On parle du même. Alors pourquoi? Pourquoi déjà il faudrait qu'on me resitue dans le contexte? Parce que j'ai dû refuser, effectivement, je m'en souviens même pas, mais des modules. Mais si je l'ai fait, je répondrais de façon très générique, et pas du tout par lâcheté, mais vraiment parce que je me souviens pas précisément des morceaux. Mais c'est juste que si j'ai refusé, c'est que c'était des modules que je qualifierais de navrants, et j'en ai fait beaucoup. Donc si je les considérais comme navrants, il était hors de question de les mettre sur mode anthologie. Et déjà, même sur mode anthologie, il y a des trucs que j'aurais pas mis si c'était à refaire. Mais bon, en même temps, bon, c'est pas grave, faut assumer. Mais si j'ai refusé, c'est vraiment pas ni pour embêter, ni quoi que ce soit, ou pour des raisons de droit. C'est forcément parce que c'était des choses que je trouvais vraiment mauvaises et que je me voyais pas mettre là-dessus quand même, à côté de trucs qui étaient quand même pointus, quoi, tu vois. Ok, et là on donc va... Donc je présente mes excuses à Grisor s'il l'a pas bien pris, mais non, tout va bien. Oh, mais j'ai pas l'écho de Grisor, hein, juste Amiga qui se posait la question. D'accord. Justement, j'ai apporté un exemplaire de mode anthologie pour ceux qui n'ont jamais vu ça. Donc je vais le montrer à la caméra. Ouais. Voilà, mode anthologie. Voilà. Attends un tout petit peu. Ouais, c'est bon. Non, c'est bon, voilà. C'est à l'écran. C'est sorti quand? En 95? 96. 96, ouais. 96. Je sais pas si Grisor a gagné de l'argent avec ça, vu que chacun des musiciens qui sont sur la compilation ont déjà eu un exemplaire. Voilà, donc à l'intérieur, je vous montre ça. Quand même, c'est à voir. C'est un superbe objet. Sur l'autre caméra. Voilà, pardon. Ici. Voilà. Deux CD de ce côté-là. Chaque musicien a eu un exemplaire, mais ouais. Ça en fait combien? Parce qu'il y en a des... Je sais pas, il y en a peut-être, 500 peut-être dessus, j'en sais rien. Ah ouais, quand même. Voilà. Ça a dépassé l'album de Britney Spears. Exactement. Ouais, là, on est... Et je crois que c'était vendu 240 francs à l'époque. Ouais, une bagatelle pour 16 000 morceaux, ça va. C'est vrai. C'est honnête. C'est plus qu'honnête. Hein. Tout bon seigneur se doit d'avoir ça. Surtout sans lui. Internet, même s'il y avait Internet à l'époque, tout le monde ne l'avait pas, c'était quand même très marginal, donc oui, ça valait de l'or. Ah oui. 249 euros. Ouais. Audio Monster, on va écouter Melon Mania d'ici quelques instants. Donc la jeunesse de Melon Mania. La jeunesse de Melon Mania, il n'y a pas vraiment de genèse, c'est juste qu'il y avait Christophe, alors Christophe c'était Walt, le graphiste fameux de Melon Design, avec qui je suis resté ami d'ailleurs, que je salue s'il m'entend. Walt, il a travaillé pour PZ Team. Il a fait plein de choses, il a un parcours, c'est vrai que... Et donc en fait, il m'a tout simplement demandé une musique pour une démo avec une liberté totale. Il m'a dit fais-nous un truc étrange comme tu sais faire, parce qu'il paraît-il que je savais faire des trucs étranges. Et donc j'ai fait ce truc là sans vraiment réfléchir, mais ça a donné ce truc là. Moi je réfléchis pas énormément en amont quand je fais une musique, surtout quand j'ai pas beaucoup de temps, je marche beaucoup à l'instinct. Même pour le cinéma, je regarde une image et ça vient comme ça, j'essaye pas de conceptualiser, etc. Ça peut être bien aussi, mais en général je le fais pas. Et là c'était vraiment quelque chose d'impulsif, je l'ai pondu sans dire vraiment pourquoi. Et pour la petite anecdote, ça c'est un morceau que j'ai recyclé dans un jeu vidéo, dans Chaque Fou. Le thème principal qu'on entend dans Chaque Fou, c'est Melon Mania.
refait quoi. Donc chaque fois un jeu vidéo sur Super NES. Sur Super NES, Mega Drive, Game Gear, et c'était Electronic Arts et Delphine à l'époque en 94. Avec Shaquille O'Neal en motion capture. Shaquille O'Neal, absolument, ouais, c'est ça. Et nous écoutons tout de suite Audio Monster Melon Mania sur Radio Ciel et Maintenant 95.2. Oui, c'est très space. Hein. On m'avait demandé ce que j'avais fumé quand j'avais fait, mais non, rien. Un peu d'alcool peut-être. Un peu d'alcool. Donc ouais. Nous étions en 1992. Donc c'était sur quel support? Amiga. Toujours Amiga. Ouais. Dans la démo, j'ai officié que sur Amiga. Il y a des musiques qui ont été mises sur Atari ST. J'étais même pas au courant d'ailleurs, mais moi, j'ai vraiment fait la démarche de musique démo uniquement sur Amiga. Ok. On va enchaîner toujours en 1992 avec Travolta, Spaceball. Ouais, Spaceballs, alors, sauf erreur, la première, si ce n'est une des premières, si ce n'est la première démo à avoir utilisé, alors comment ça s'appelle cette technique, le motion capture? C'est ça? Oui, c'était de la genre de motion capture. Donc ouais. Aujourd'hui sur YouTube, on peut retrouver la. Enfin, c'était du rotoscoping plutôt. On peut retrouver les originaux voilà. De cette démo parce que beaucoup de mecs ont dû fantasmer pas mal sur les modèles. Sur les nanas. Ouais. Donc voilà. J'ai vu les vidéos, mais en fait, c'était pas top. Ah bon, bah. Il faut se remettre à l'époque. À l'époque, c'était bien. T'as quand même une scène où à la fin, ils sont obligés tout détruits. Non, mais le concept en soi technique, il est génial. Mais quand on voit les origines... Comment ça s'est passé le truc, voilà, la Spaceballs, donc c'est... avec une caméra, ils ont filmé deux nénettes, ça se passait en Finlande, en train de danser, d'accord. Après, ils ont repris toutes les images, ils les ont traitées sur Amiga, et ils en ont fait une sorte de clip, d'accord. Donc c'est complètement en 2D, t'as des personnages qui lèvent les bras à droite à gauche, c'est les jeunes filles, avec la musique de Travolta. C'est et la musique de jeune. Carton total, quoi. C'est parti. Alors, Travolta Spaceball, c'est pas l'acteur, hein, bien sûr. Ouais, rien à voir. Non, mais bon, on sait jamais. Hein. C'est sûr. Oula. Ouais, c'était très dense. Hein. Là, on voit bien des filles se trémousser dessus. Il n'y a aucun problème. Hein. Pas de problème. Pas de problème. On va enchaîner. 1993, Jester Cyber Ride. Alors, ouais, c'est ça. Jester, un musicien allemand qui a aussi énormément marqué son époque, notamment avec une autre musique de démo qui s'appelait World of Commodore, je crois. Voilà, donc Cyber Ride. Ça, c'est juste le coup de cœur sur la musique. Une musique avec un punch incroyable. Une rythmique de fou, des accords bien comme il faut, une ligne de basse de dingo. Voilà, la démo s'appelait Extension, c'était le groupe Pygmy Project. Voilà. C'est parti. Alors, juste avant, Amiga 1200 qui est très prolifique aujourd'hui. Alors, une petite critique sur la musique de Travolta qu'il trouve assez naze, avec un code moins étonnant. Et est-ce que ça serait pas passé plutôt inaperçu à l'époque, cette histoire? Ah, pas du tout. Alors là, enfin, la démo surtout est pas passée inaperçue. La musique, je suis moins sûr. La démo a fait le tour du milieu, ça c'est sûr. De l'univers. Mais la musique, je sais pas si elle est sortie de son contexte par contre. Je sais pas si les gens se la sont passés dans un tracker tellement quoi. Ouais. En tout cas, les musiciens. À moins d'être vraiment nostalgique, je pense pas en tout cas. Bon. Alors, on va enchaîner, donc comme annoncé Mounov, Jester Cyber Ride. C'est parti. 1993. Ça m'a toujours fait penser au thème de Miami Vice. Ouais, jamais ouais, meurt, ça. D'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. C'est la musique de la fessée, hein. You escape from
aussi de la musique de jeunes. Ah, moi j'adore. Les batteries super compressées et tout. Hyper jeune. Ça me rappelle quand même un passage. Oh là là. Non, c'est genre de musique. Ce moment-là, ça vous a pas rappelé Future Proof. Mais moi, à cette époque-là, je détestais tout ça. Oh. Cette mouvance dance là. Ah non, mais je suis honnête. Hein. Je détestais ça. Tu es en écran géant, genre la Saturne, la convention informatique qu'il y avait à Shell dans l'Est de Paris. Ouais. T'as ça devant un écran géant, tu t'en prends plein la tronche. Ah hein, oui, c'est sûr. Ah non, la démo en elle-même, toujours impressionnée, c'est sûr. Mais moi, je parle en tant que tu vois, le musicien qui va regarder. Ah, c'est clair que là, ça te pollue l'oreille. Hein. Tiens, comment ça s'appelait ce jeu sur Amiga où c'était un hibou qui allait devant comme ça là, qui shootait tout ce qui arrivait en face de lui? Ça veut dire rien de Psygnosis? Si. Ah si, je le vois très bien en plus. Je me souviens plus le nom, mais juste pour l'anecdote, la musique de fin, il y a un petit bonhomme comme ça qui lève les bras en l'air quand on est mort, tout ça. La musique a été ripée justement sur une musique de Miami Vice. Mais complètement, c'est le même sample. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça s'appelait pas Apidia, le jeu avec le hibou? Non, pas du tout. Non, c'était autre chose, Apidia. C'était très beau, Apidia. Putain, ça m'énerve. Il y a personne là? Agonie, voilà. Agonie. Merci, Patapom. Voilà, ouais. Voilà. C'était Tim Wright qui avait fait la musique d'Agonie, il me semble. Il y a la scène. À mon avis, sur le forum, ils doivent savoir, mais je pense que c'est Sensor Tim Wright qui a fait la musique d'Agonie. Sensor, il est sur le coup. Ouais. Bah bonjour Sensor. Salut Sensor. Ah, salut. Comment vas-tu? On va enchaîner 1993 avec Lizard King. Ouais. Donc est-ce que c'est un rapport avec Jim Morrison, son nom de scène? Ah, peut-être, j'en sais rien. Peut-être. Donc c'est pareil, Lizard King a été. Enfin. Utilisait des techniques pour faire du tracking qui étaient énormément basées sur les. Je démarre un son, je le coupe immédiatement. On appelle ça des stabs énormément, des accords à droite, à gauche, tout ça. Vraiment. Technique vraiment très particulière. Et aujourd'hui, Lizard King est toujours musicien chez, je sais plus, dans une boîte en Suède qui continue à faire des jeux vidéo. Ah, je savais pas, il est toujours dedans. Ouais. Mm-hmm. Putain, je perds la boule, c'est l'âge, c'est normal. Il faut prendre des notes, hein. Ouais, carrément. Ah, je suis venu sans notes là. J'essaye de faire de mémoire, mais ça commence à faire défaut. J'ai Wikipédia, c'est vrai. Il y a Tim. Mais là, pendant qu'il recherche, on n'arrivera jamais à 98 à cette vitesse. Docteur Ars nous dit c'est Tim Weird et Jaren Tell. Ah, il y avait Jaren Tell aussi. Ouais. Ah, d'accord. Excusez-moi pour mon anglais, je travaille mon anglais en ce moment. Merci, Docteur Yes. Bon, on va lancer notre Lizard King, hein. Crystal Dreams 2. Ouais. Oh, il doit manquer des voix là encore. C'est autre chose. Hein. Voilà. J'ai coupé trop tard. Donc je regarde là. Donc 1993, on arrive bientôt à la scission, voire la fin de vie de l'Amiga et de l'Atari quand même. Ouais. Ah, attends, il n'y a pas de fin de vie. C'est pas la... Non, c'est pas la fin. Non, mais je vous fais pas un affront, messieurs. Je vous fais pas un affront. Moi, j'ai quitté le navire. On se calme. J'ai quitté le navire avec les rats, donc il n'y a pas de problème. On se calme. Avec rats. Non, c'était pas la fin de l'Amiga et l'Atari. Par contre, la démoscène s'est déplacée sur le PC. Complètement. Le PC est devenu une machine accessible parce que personne n'avait 10 000 francs à mettre dans un ordinateur. Bah, surtout que ça prenait moins de place. Ça, voilà. Deuxièmement, des cartes graphiques super ont commencé à apparaître sur le marché, notamment la Matrox. Et après, la carte son, la Gravis Ultrasound, ces trois éléments-là mélangés ont fait du PC une machine attractive pour les scénars. Et donc, ben, malheureusement, l'Amiga et puis l'Atari en ont fait les frais. Ok, et on va enchaîner avec 1993, Moby, donc Frédéric Mott, qu'on n'a pas pu écouter tout à l'heure. Donc cette fois-ci, c'est avec Arte. Donc c'était une démo très connue, Arte, dans le milieu de la scène. Sanity, une des plus connues. Sanity, ouais, voilà, je recherchais le nom. C'est la fête, hein, sur le chat, il y a Dream Dealers qui vient de se connecter. Ah bon? Oh putain, ouais, mais c'est qui le Dream Dealer? Ouais, c'est, parce que ça doit être Do. Do, c'est Do, évidemment. Ouais. C'est Do, j'en suis persuadé. Oh merde, le pire des cons. Mais non, c'est le pire. Et Amiga sur le chat nous fait du chantage. Si on parle de Gravis, il se casse. Non, mais reste Amiga. La Gravis, c'était bien. Il y a aussi Sound Blaster 16. D'ailleurs, j'ai travaillé sur Gravis. Hein.
Ouais, ça y est. Et quel souvenir tu as eu ? Sur Fade to Black, ah non, c'était une merveille quand même. C'était la roll des cartes son. On avait d'un côté les Adlib, après il y avait les WO32 qui étaient pas mal aussi, mais Gravis c'était le top. Mais c'était plus pénible à mettre en place pour la compatibilité. Mais c'est, à l'époque c'était bien. c'est c'est un Amigaïste pur et dur qui dit ça. On peut, bien sûr. Et là, justement, cette Gravis a permis au tracker d'accéder à 32 voix puis 64 en plus pour un tracker. C'était un vrai petit studio à l'époque. Voilà. Une belle machine. Alors on enchaîne avec Moby Arte en 1993. Mmh. Magnifique. Ah merde, j'ai coupé au moment où ça devient. Ouais, mais excellent, mais vraiment excellent ce mode. Enfin, ça a vraiment pas l'impression que ça a été fait sur ordinateur. Enfin, non, moi, il m'a toujours bluffé, Arte. Vraiment. Ouais. C'est pas pour faire de la pub ou faire mon lèche-botte, vraiment, je trouve excellentissime. Voilà, je viens d'avoir un petit commentaire sur Twitter là, d'un copain qui s'appelle Knos, qui fait partie du groupe TPOLM, qui, pour info, travaille maintenant en Allemagne chez Ableton, pour ceux qui connaissent le logiciel, je fais pas du recrutement, et qui nous fait une jolie remarque en nous disant « Oh là là, les vieilleries ». Sympa. Parce qu'il sait très bien ce qui vient après, Tu vas y passer, t'inquiète pas. La liste est longue. Bah, on peut qualifier de vieillerie, mais en même temps, c'est tout un pan de culture musicale qui n'est pas forcément accessible facilement pour n'importe quel auditeur, pour n'importe quelle personne. Ouais. D'ailleurs, c'est un auditeur qui a eu cette expérience, 08, 92, 23, 95, 20, pour parler de cette expérience avec son Amiga, son Atari. Il a bloqué sur une musique. Mais oui, Amiga 1200, téléphone-nous, là, depuis le temps que tu es sur le chat, on n'a jamais entendu ta voix, téléphone-nous. Amiga ! Alors messieurs, on va se calmer. On va arriver en 1995, donc un petit saut de 2 ans. Là j'étais mort moi, ça y est, c'était fini. C'était fini. Ouais. Alors 1995, Dizzy, Alternative Samba. Ouais, donc, d'accord. Alors Dizzy, musicien finnois, d'accord, qui a fait son apparition, j'allais dire de nulle part, mais oui, enfin pour moi il était de nulle part. Et j'ai découvert encore une fois un musicien qui savait exploiter Tracker, mais d'une manière absolument magnifique. En utilisant des petits bouts de samples qu'il faisait systématiquement lui-même, il arrivait à reproduire des bruits de guitare, des bruits d'instruments, je dirais, complètement hors de ce qu'on connaissait aujourd'hui. Il faut savoir que c'est un vrai tabla, musicien en plus. Hein. C'est un vrai zikos. Il joue un peu de tout. Ah oui. Très complet. Quoi. Complètement. Et ça s'écoute et on n'a pas l'impression du tout d'entendre un module. Et les compos sont très riches en harmonie, etc. C'est très pointu. Quoi. Mm. Eh ben c'est parti, Dizzy, Alternative Samba, 1995. D'émulateur ou c'est dans le... Non, c'est... Non, là, il est comme ça. Okay, là. Parce que je ne vous vois pas réagir. Non, parce qu'on est captivé, on est captivé. Parce que ça rappelle des bons souvenirs, quoi. Moi, j'ai adoré. C'est l'hypnose pour une régression mentale, voilà. Pour aller vers... C'est ça, mais tu sais, écoutant, la déformation, c'est qu'en écoutant la musique, moi, je revois les patterns de Protracker. Exactement. Ce qui est devant moi, tu vois ce que je veux dire. Dans la même veine que Dizzy, il y avait un autre musicien qui s'appelait Ukulele. Ah. D'accord, qui faisait le même style de musique, super construite, super compliquée. Et c'est vrai que harmoniquement, je comprends que ça pouvait pas parler à tout le monde parce que vraiment par moment, on arrivait sur des accords mais très 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 bizarres qui pouvaient
qu'on pouvait ressentir à la limite de la fausse note. Hit-beat aussi. D'après ce que j'ai entendu, il y a beaucoup d'accords de 9e, de 11e. Enfin, ce n'est pas des accords qu'on a l'habitude d'entendre tous les jours. Surtout à l'époque, sur Amiga. C'est vrai qu'on avait des accords assez primaires en général. Moi, le premier. Hein, et lui, c'était beaucoup plus pointu. Quoi. Ouais, salut à TRSI. Il y a TRSI qui débarque sur le chat. Vodka TRSI. Oh non, merde. c'est la journée des cons, là. Oh là là. C'est pas sympa. Un peu de tenue, Guillaume, tu vas te faire cartonner après, sinon. On va enchaîner, toujours 1995, donc ça m'a l'air d'être une période très prolifique, 93, 94, 95, 96. Je sais pas ce que vous en pensez. Complètement. Complètement ? Bon bah, bonne analyse. Super pour l'équipe. Là, comme je te disais tout à l'heure, la scène commence à se déplacer sur PC. Il reste encore un peu d'Amiga, mais les mecs, ils ont fait un petit peu de tuning sur leur Amiga. On a mis des cartes accélératrices, on a mis des disques durs. Et des frigos. Et des frigos aussi. Et donc, on essaye d'aller au maximum de ce que la gars peut faire. Et dans les musiques qui suivent, là, je sais pas ce que tu vas passer, mais... Gros closer. Gros, voilà. Voilà, bon là, je vais laisser Guillaume s'exprimer, il connaît bien. Vas-y. Non, beaucoup moins, moi, après. Non, vas-y, tu te fais pas d'ennemis, vas-y, tu parles. Tu parles cette fois. Allez, Guillaume. Ah non, mais tu veux que je dise quoi, 95, j'étais pas encore là, mais gros, reste légendaire. Juste musicalement, voilà, c'est des musiques, on allait peut-être plus se diriger vers ce que moi je vais apprécier ensuite, mais j'ai pas beaucoup de choses à dire, j'étais pas encore là, on va dire. Ouais, voilà. T'es pas encore actif sur la scène. Non, même pas là du tout, j'avais pas d'ordi encore. T'arrivais bien plus tard. Moi je suis arrivé en 99 quand j'ai commencé à traquer. Ma première partie c'était 2000 et c'était Yes à la LTP qui a été le premier senior qui m'a dit bonjour. C'est quoi ça? Donc, c'est un fond d'écran d'Amiga que je vois là Ouais. Mais la groue, après je pourrais plus parler. Mais... Qu'est-ce que c'est que cette photo de merde? Ouais, donc ça. Je viens de mettre une photo sur mon profil Facebook. Donc pour les auditeurs sur la FM qui ne voient pas l'image, sur le chat, une photo, on va pas la qualifier, mais qui arrivait sur le chat qui ne veut strictement, pas la qualifier, non. Il veut strictement rien dire. Donc on va enchaîner avec Groove Closer 1995. Ouais. C'est parti. Abyss. Ouais, il jouait beaucoup avec des sons d'ambiance, un petit peu comme. Il y avait quelqu'un en France qui faisait beaucoup ça, c'était Shad également. Quelque chose d'assez lourd, un peu industriel. Ça ressemble beaucoup à du Mass Attack, je trouve. Ouais, un petit peu dans le rythme, ouais. Voilà, au même moment que Grou est arrivé un autre musicien dont on ne va pas parler aujourd'hui, mais qui s'appelle Dune, que d'autres connaissent sous le nom de Brougham State. Également avec des musiques innovantes qu'on n'avait pas encore entendues nulle part. C'est pour ça justement que tu fais la bonne passerelle, puisque c'est pour ça que je disais que ça allait très bien avec partie plus new school. Ouais. Alors je sais pas quand on fait la transition. Non mais je crois que c'est bon là. C'est beaucoup plus. Ah, juste un petit dernier morceau, Juggy Dope. J'adore énormément. Ah, bon, bah, voilà. Et après on fait la transition avec Guillaume. D'accord, juste un petit mot là sur la dope. Donc une démo sortie en 95 du groupe Complex. Et Juggy, qui continue à faire de la musique aujourd'hui avec chanteuse et autres, nous a sorti un module au format Fast Tracker qui est vraiment hypnotique. Enfin, c'est quelque chose, c'est une musique qui dure plus de 6 ou 7 minutes et on se fait emporter par vraiment quelque chose de très progressif. On est sur quelque chose entre la techno et de l'ambiance, enfin je saurais pas la qualifier, mais alors comme toi c'est magique, c'est le mot. C'est parti pour Juggy Dope Complex en 1995. We'll be right back.
Voilà. Excellentissime. Moi, ça me fait beaucoup penser au groupe Ténèbres qui avait beaucoup composé pour Dario Argento pour les films zombies à l'époque. Et ça ressemble beaucoup. Alors, si je peux vous retrouver juste l'extrait de Goblin, ça s'appelait. Attendez, je vais Claudio retrouver. Simonetti, compositeur. Oh. Oh, bien, okay, oh, d'accord. Bien joué. Alors, la prochaine émission, ce sera Monsieur Isomonster contre Chaosnet. Celui-là, lui, il est imbattable. Ah, là, mais là, tu touches un pan, là, parce que moi, je suis très. Enfin, moi, la BO du film que j'ai fait, c'est du fantastique, et je suis très cinéma fantastique. Et, c'est vrai que je connais bien tout ce qui est Argento, tout ça, forcément. Un petit peu, j'aime bien. Simonetti. Zombie, attendez, je vais retrouver Zombie. Zombie. J'ai un peu de mal, il y a un peu de bazar dans le répertoire. Catch that goblin. Voilà. Catch that goblin. Ah oui, attends, celui-là. C'est ah, ça, c'est Skaven, ça. C'est votre case. Non, mais tu vois, votre case, ça a quelque chose. Ça ressemble beaucoup à ça. Alors. Voilà, Ténèbres Goblin, le thème-là, je trouve, ça ressemble énormément. Ah. On va juste écouter les 30 premières secondes. On accélère un peu. Ça me rappelle les fins de soirée. Voilà, c'est. Enfin, moi, ça me parle comme son, en tout cas. Donc, on va enchaîner avec Guillaume. Donc, Guillaume, qu'est-ce que tu nous as préparé ? Alors, moi, j'ai fait une playlist un peu différente et c'est bien parce que ça montre bien un changement qu'il y a eu à la fois dans la démo scène et chez les trackers. Beaucoup des gens qui ont commencé donc, à l'époque des deux osios à ma gauche et à ma droite, en fait, donc Iso Monster et Jam. je vais rester avec Iso Monster. Non, non, mais ça ne me dérange pas du tout. Et voilà, la plupart des gens, en fait, ils se sont dirigés vers la musique de jeux vidéo comme métier parce que la façon dont ont été construites les démos. Finalement ça restait très proche de la musique de jeux vidéo et du film. Il y avait beaucoup de parties dans les démos, ils montraient une scène, on repassait sur une autre scène, on repassait sur une autre scène, et la musique finalement quand même changeait, c'était une autre partie. Du coup, quand on a eu vraiment la scène PC, on est parti vers autre chose avec beaucoup plus de Zikos qui voulait devenir Zikos. Et si possible, Superstar. Ils voulaient être sur des labels. Donc, ils ont travaillé leur musique comme des musiques qui vont de A à Z. Ils essayaient plus trop forcément de s'adapter sur les images, mais c'était plutôt eux qui faisaient la musique, et le codeur et le graphiste qui allaient s'adapter dessus. Il y en avait bien sûr toujours qui fonctionnaient de cette partie-là, mais je vais essayer de couvrir plutôt des musiques qui maintenant peuvent toujours s'écouter en musique. C'est-à-dire que tu vas pouvoir te balader avec et ça va plus passer en tant que musique détachée des visuels que, par exemple, c'était la musique de démo des années 90 qui détachait les visuels avait beaucoup moins d'intérêt. Enfin, on parlait celle de Travolta tout à l'heure, par exemple, est un très bon exemple de musique qui va très bien avec la démo, mais tu peux pas la sortir. Donc voilà, donc la première que j'avais mise, c'est bon, au moins Nico qui nous regarde. H+, moi j'ai dans la playlist en premier. C'est celle-là, 98. Par contre, moi je mettrais un petit bémol à ce que tu viens de dire. Moi je trouve que dans les années 80, toutes les musiques que j'ai aimées, que ce soit dans des démos ou ailleurs, je les détachais totalement. Donc tu les réécoutes par... Ouais, peut-être par nostalgie, mais par rapport... Oui, non, vraiment par intérêt musical. Non, vraiment. Ouais. Là, on a évoqué des musiciens. Moi, j'aurais pas fait la même playlist, mais il y avait des Uncle Tom, il y avait des Bruno, des... Vraiment, il y a des... Justement... Tu peux toujours revenir, on va faire un tome 3, tu sais. Je suis étonné, il n'y a pas eu MAF. Sur Atari, il n'y a pas eu MAF. Mais Mais MAF, je passe du MAF. C'est impossible de Même moi, une heure et demie de coup, je vais me faire bâcher. Ouais. J'ai mis que des trucs que j'apprécie. Oui, mais c'est normal, c'est ta playlist. Voilà. Mais je voulais juste te dire par rapport à la période des 80, je pense pas du tout vraiment, et je parle pas que de moi, mais les gens s'écoutaient les trucs en boucle, même avant même qu'ils soient dans des démos, parce qu'il y avait un intérêt musical, et c'était énormément répandu. Je peux te citer des tonnes de modules. Que les gens, je pense après, que sur les forums, ils sont d'accord, question, mais tu vois, je parle pas de musical, de... sinon non. Mais voilà, je ne serais pas là aujourd'hui. Il y a quelqu'un sur le chat qui dit écoutez la baloche ADD de Jam. Oh, je sais pas qui c'est. Il vient de ressortir un vieux de Sensor. Oh putain, c'est à la Wii. Que je dis pas de conneries, c'était où ? C'était à la LTP ou la Wii Red ou la Saturn, je sais plus. J'ai fait une musique sur place. Ou la Piste ou bien. C'était les. Il a dit Wii Red. Wii Red module. Knoss, si tu nous entends. Je sais peut-être lui. En une demi-heure, tu dois faire une musique. Et puis moi, j'ai fait un... Comment on appelle ça ? Putain, j'arrive plus. Knoss qui dit justement, en fait, c'est plutôt la différence entre film et clip vidéo. Et il a pas tort. Voilà, donc une musique de balle. Voilà. Voilà, une musique de... Et j'ai gagné le concours avec ça. Et j'en reviens toujours pas. Donc le baloche ADD me colle à la peau.
Exactement. On va commencer avec la playlist de Guillaume. Par contre, il nous reste à peu près un quart d'heure. On n'aura pas le temps de finir. Non, mais je vais te dire lesquels passer en priorité. Donc, ou alors, on refait un tome 3. Moi, j'en remettrai d'autres. Vas-y. T'en remettras d'autres. Importante. C'est une zig de 64K pour te dire à quel point on a fait un gap avec le PC. Donc 64K, 64 kilo-octets. C'est rien du tout. C'est rien du tout. Et il y avait de la zig dedans. Et ça, c'est une zig donc de Dune, connue après sous le nom de Brosome State. Donc qui officiait déjà toujours sous le nom d'une dans un autre groupe Orange. Là c'est pour Alcyon, donc vas-y, en route. C'est parti, H+, 1998. N'hésite pas à avancer un peu parce que le début est long, c'est une belle démo progressive. Voilà. Je sais pas si on en augmente progression. Démo formidable où on peut voir une forme à la fin qui est la même, enfin une forme au début qui est la forme à la fin. Il y a tout un truc, une sorte de religion autour de cette intro. J'invite donc les gens qui à la rechercher. C'est Dune. Ah non, attends, tu t'es gouré, t'as pas mis la H+, là. Si, si. Non, c'est pas H+. Attends, j'ai un problème avec la H+. Non, t'as pas mis H+. Attends. T'as mis celle d'après. Voilà. T'as mis Moral Hard Candy. C'est bon, c'est parti, la H+. Je me disais bien. Et c'est la H+ qu'il faut avancer. Voilà. C'est ça, voilà. Donc là, pour dire aux gens, t'es dans 64K. T'as très peu de place et t'as une démo, enfin t'as une musique de démo complètement atmosphérique. C'est très lent et calme. Atmosphérique, expérimental. On peut dire comme ça. Ouais, là on se rapproche plus de musique vraiment décorrélée du reste. Mais en même temps, sur le chat, comme il faisait la réflexion tout à l'heure, il y a beaucoup plus de gens qui sont fait connaître avec l'audio, parce qu'au moins on peut fredonner les airs. Alors que le côté graphiste, ben, on le regarde, on retient éventuellement le nom et on oublie. Ils avaient plus facilement, je pense pour moi, les graphistes et les codeurs, un boulot qu'un musicien. Où... Je pense que la musique est un boulot assez difficile. Le graphiste peut s'adapter à beaucoup de choses. Je suis d'accord, la musique, c'est dur en soirée. Surtout quand tu fais un peu de codeur. Ouais, enfin, attention, il y a eu quand même quelques stars graphistes. Ouais. Hein, il y en a eu. On ne fait pas que du DJ. On ne fait pas du DJ. Il y a eu quand même. Hein. Bah, il y a eu Ra, on l'a déjà reçu à cette antenne. Ouais. Moi, il m'avait. Au fond des toilettes, hein. Fondamentalement, il m'avait. C'est un effet déco. C'était excellent. C'est un effet déco avec le Skype. Non, mais t'inquiète, on a compris. Bon, bah, ça bien. Si vous avez compris. Il y a eu Walt, que j'ai cité tout à l'heure. Il y a eu Joe. Enfin, ouais, il y en a eu quand même des noms dans le graph. Dont on attendait nouveaux logos. Même en tant que moi, musicien, j'attendais le nouveau logo de Intel. Quoi. Je disais, ah, il a fait un nouveau. C'est vrai. Voilà, tu vois, c'était quand même. Il y a Made. Oui, Carlos. Ouais. Donc on va enchaîner avec 1999, Moral Hard Candy. Voilà, une zig de mélodie donc qui faisait partie des Five Musicians dont on parlait la dernière fois qu'on était venu, qui était un crew de tracker et donc mélodie. Donc pour le groupe c'était Blasphemy qui a fait cette bande son et là encore une fois qui collait parfaitement. Enfin la démo collait à la bande son collait à la démo. C'est le même mélodie qui était sur Amiga, Melo-D. Non, c'est pas le même parce que j'en avais rencontré. Ouais, d'accord. Ok. Il s'est fait appeler MD après. D'accord. Allez, c'est parti pour Moral Hard Candy, 1999. Non, là, tu veux toujours nous mettre un pas en avant. Non, t'inquiète pas. Non, il y a un problème avec tes encodages. Hein. Oh, putain. Non, c'est bon. Ça fait très dub, ouais, comme dit Reynald. Très progressif, très lent, ça fait très musique d'ambiance au final. Ouais. Et dans la démo, tu vois, t'as une forme comme un blob en fait qui réagit avec le tempo de la musique. T'as ça, mais t'as aussi une grande scène dans un tunnel en fait. Ouais, les tunnels, c'est très important. Ouais, les tunnels, c'est important. Et tu vois, moi, a priori, j'aurais tendance, en écoutant ça, qui est très bien d'ailleurs, mais à dire que c'est sûrement plus indissociable de la démo que les trucs mélodiques qu'on écoutait tout à l'heure. Mais je sais pas, il en a fait tout un plusieurs CD. Ah non, mais je parle de celui que j'entends là, mais moi je suis un néophyte dans cette moment, période, attention. Tu sais, c'est vraiment plus atmosphérique, t'as pas tout de suite la musique, tu vas avoir vraiment à la fin, c'est pour ça que c'est très difficile de mettre 30 secondes seulement, parce que tu vas avoir la fin, un gros moment qui va t'éclater, tu vas te retaper les 4 minutes juste pour avoir ce moment-là. D'accord. Comme un dessert, quoi. C'est ce moment-là qui était traqué, qui était assez fort, même s'il avait 32 canaux ou quoi que ce soit. On va mettre un peu plus fort pour avoir le... Et on va enchaîner. On enchaîne à chaque fois, c'est le moment. Mais plus fort, on enchaîne. On enchaîne. 1999, Toy
pusher final. Ouais, alors c'était une musique de cri qui était vraiment très bon pour faire bouger les boules. Il faisait de la down tempo. Bouger les boules. Des genres qu'on retrouvait pas du tout, ou très rarement en tracker, sauf sur un groupe de trackers qui s'appelait donc Tokyo Dawn, qui est devenu un des premiers net labels et un label assez connu, je crois maintenant quand même. Tokyo Dawn Records, ils sont passés maintenant au niveau pro, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur le net label. On n'est plus sur le net label qui diffuse de la musique freeware comme ça pour tout le monde. Là maintenant, c'est un véritable label payant et très 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 pro. C'est parti, nous écoutons ça tout de suite. Toy Pusher Final en 1999. Oh la vache. J'ai vieilli d'un coup. Je m'attendais pas du tout à ça. Ouais, non mais crie. Ah ça a été marquant parce que. Ah la bonne vraiment... vieille dance. Hein. Ah là t'es 90s à fond là. Donc le ouh yeah. Ouh yeah. Ah mais attends. C'est quoi cette musique? Pam 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 pam. Ouais, c'est un son de pam 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 pam. NHP sort de ce corps. C'est une project joke. NHP, c'était un compositeur qui aimait bien, un français, qui aimait bien faire ce genre de musique à l'époque Amiga. Avec BKH. Avec BKH après, ouais. C'est très sympa comme morceau. La démo va très bien avec parce que c'est pas une démo complexe finalement et le tout passait justement super bien. On avait une démo qui faisait pas forcément des miracles, qui réinventait pas une technique, mais le tout se matait vraiment là sur le coup comme un clip que tu pouvais mettre. Et inviter des potes qui n'étaient pas du tout dans la scène, surtout, ils disaient « Ah, mais c'est sympa ce truc !» D'accord. On va enchaîner avec, toujours 1999, TG19. Alors là, TG99, c'est la partie, c'est à la The Gathering 99. Alors moi, personnellement, je suis une des personnes qui a grandi avec ce Zikos-là, c'est Distance, et ça, qui est devenu la cluster sur la scène musicale mondiale. Donc, et par contre, je sais qu'il avait beaucoup de personnes qui ne l'appréciaient pas beaucoup aussi dans la scène française. C'était de la musique très ambiante, justement. Est-ce qu'il y avait une personne à retenir pour ce genre musical dans la scène? Je pense que c'est vraiment lui. Eh ben, c'est parti. TG99, Distance, la cluster. Oui, là, c'est une petite comptine, là, on peut là, s'endormir. Là, t'es vraiment sur du visuel, c'est la démo est amassée, c'était The Digital c'est Artist. C'est très organique, hein. T'as l'impression de planer, de te balader dans de la forêt. La démo est très planante aussi, on arrive sur complètement autre chose, je pense. On n'essaye plus de remplir le pattern, là c'est fini. Ah, là. Non, mais c'est sympa, il y a du travail aussi derrière. Hein. C'est, après, s'il n'a pas été apprécié, est-ce que c'est que pour sa musique? On ne sait pas, si c'est peut-être roulé par terre. Non, je sais pas, il a peut-être fait un truc pas appréciable. Ah bah oui, parce que à mon avis, les anecdotes pendant les démos parties, ça ne doit pas te piquer des hannetons. Non, c'est surtout Sergent. Hein. Oui, et vodka, et vodka. Oui, ah. Parce que William Sergent Slayer a du gros dossier dans les démos parties. Ah bah moi j'ai été fiché avec d'autres à la PP à une époque. Hein. Bah qu'est-ce que vous avez fait? L'association pour la protection des programmes, tout bêtement pour avoir été présent à une copie partie. J'allais dire une démo partie pour faire genre, mais non c'était une copie partie et ils avaient débarqué en plein milieu. Mais on était passé entre les gouttes, tout c'était bien. Donc qu'est-ce que t'appelles une démo partie? Bah, c'est une réunion de démo makers, donc de faiseurs de démos, pour être franco-français. Et avec les fameuses compétitions sur écran géant, et à la fin on dit qui a fait la meilleure démo, qui a fait le meilleur graphisme, la meilleure musique. Et ça c'est les démos parties, mais il y avait aussi les copies parties. Et les copies parties c'était uniquement orienté copie sur des nouveaux jeux, des nouvelles démos, donc il y avait beaucoup d'illégal. Ce que tu appellerais le Warez maintenant. Le Warez, on dit maintenant exactement, sauf que c'était pas par internet, c'était vraiment, t'avais ta pile de disquettes vierges, t'arrivais, ta pile de disquettes vierges, tu la remplissais en une nuit. En copiant avec Xcopy, quoi, tu vois. Copier, c'est pas bien. Et voilà, mais bon, à l'époque, on était jeunes et fous, on n'avait pas d'argent, etc. Donc, c'était comme ça. Mais ils étaient intervenus en plein milieu, et c'était un bon souvenir, c'était rigolo. Bon, ben, merci, messieurs, d'avoir intervenu, d'avoir rien fait pour Audio ISO Monster. Hein. Donc, on va enchaîner avec ASM 00, voilà, Ibiza Fix. Alors là, j'ai peur d'entendre de la dance à la David Guetta. Ah non, tu vois, ça, c'est justement, c'était la non-stop Ibiza Experience. C'était genre, après quelques années de silence, Orange faisait un retour assez,
Assez, vous verrez, vous vous entendrez. Eh bien, c'est parti. Donc, année 2000 ASM 00. Et donc, l'année toujours sous Dune, mais là, il sortait sous le nom de Brotherham State, il me semble. Ah là, pareil, très difficile. Finalement, j'ai fait des playlists, c'est plutôt, c'est très difficile à sortir toute une track, juste 30 secondes sur cette track-là. Très expérimentale et bourrée, tu vois. On va se parler entre trackers, mais elle est bourrée de notes delay, de trucs comme ça. Ah oui, bah oui, carrément. Là. Il a baigné ses percus dans un effet aqua. Et sur le chat, on me pose la question depuis tout à l'heure, que devient Grisor? Pas une seule news, pas un seul indice, est-il mort? Que devient-il? Où est-il? Bah, c'est une vraie question et je me suis rapproché de plusieurs personnes qui l'ont côtoyé, enfin de la démoscène bien sûr, et mystère. Mystère et boule de gomme? Ouais. Bon, il s'est retiré dans le Larzac et il a laissé complètement tomber les ordinateurs. C'était quoi son prénom? Nicolas Franck, enfin Franck Nicolas. Franck Nicolas. Bon bah Franck Nicolas, tu nous écoutes, ou si vous connaissez Franck Nicolas, bah reprenez contact avec Moonouf, Canil et Audio Monster, hein. Ils sont là, ils vous attendent chaudement, et Amiga 1200 également. Donc nous arrivons pas loin de la fin de l'émission malheureusement, ouais. Donc on avait encore quelques musiques à écouter, on va peut-être s'en faire une dernière quand même. Ah, si voilà. Je devais en proposer qu'une, vas-y, on aurait une troisième Brotherham State, mais... Ah, peut-on j'ai vu. Se le permettre. Voilà quelle alors. Allez, l'apothéose. Non, la techno.xm, allez. La techno.xm, la celle à la Remedie 2000. Attends, The Desious Was Born. Sur le chat, c'est tout le monde demande des nouvelles de chacun de la scène. Maintenant, qu'est-ce que est devenu Gantbox? On va voir toute la liste. Alors, Gantbox, je peux vous le dire ce qu'il est devenu. Ah. Donc, Nicolas. Et il travaille dans une. Il s'est monté sa petite agence qui est spécialisée en. Comment ça s'appelle ce CMS là? WordPress. Pas du tout l'autre. Drupal. Non, encore l'autre. Joomla, quoi. Joomla. Non, pas Joomla, encore un dernier, le quatrième. Typo. Non. Typo 3. Bon, enfin bref, et voilà, il fait du dev. Il fait du dev Easy Publish. Voilà. Easy voilà, Publish. Il fait du dev pour des tas de boîtes et voilà. Terminé. Et c'est un passionné d'œnologie. Bon, de pinard. Il a raison. Voilà. Il a raison. Donc voilà, il a un petit peu lâché l'affaire sur ce coup-là. Voilà, donc j'ai eu des nouvelles de Gantbox par l'intermédiaire de Anthony. Anthony, c'était un graphiste, c'est toujours un graphiste, qui est officier justement aussi chez Dream Dealer. Très bien. Alors, c'est quoi le dernier morceau que tu veux écouter, mais c'est The Day, celle qui commence par non, The Day. Non, c'est moi j'ai répertoire 2008-2005, c'est quelle année? Non, 2000. 2000. C'est très clair. Ok, j'ai deux The Day. Ok, c'est parti. Hop là. Il fallait bien en mettre une de T-Palm quand même. Ouais, là c'est plus rythmé quand même. On y va. La meilleure ligne de base du monde, tu ne sais pas ça. Et pas pour ce que tu penses, justement. Tout traqué, bien sûr, encore. Et là, t'as le pire tunnel du monde, c'est ça. La démo commençait à partir en burn total à ce moment-là. T'avais de ces effets de marche. Et vraiment, moi, par contre, c'est la démo qui a énormément changé de choses le jour où je l'ai chopé, je l'ai vu plus tard qu'en 2000. Et waouh, voilà. Eh ben, bah, très bien. Je peux conseiller une petite ligne de basse Amiga. Tu vas regarder un module qui s'appelle Spell Amélioration de Uncle Tom. Tu connais? Oui. Et il y a une ligne de basse incroyable sur une seule piste dont je me remets toujours pas aujourd'hui quand je l'écoute. D'ailleurs, je passe un message. Relayé dernier petit mot. Hein. Dernier petit mot. Si vous voulez réécouter l'intégralité des modules que vous avez entendus aujourd'hui, vous pouvez aller sur un site qui s'appelle scenemusique.net. Excellent site. Vous découvrirez des pépites. Y compris tout ce qu'on a écouté aujourd'hui. Moi j'encourage également, moi il y a énormément de musiques qui m'ont influencé de la scène et pas forcément des artistes entre guillemets connus. Ouais. Ah oui, et c'est une source d'inspiration mais intarissable, il faut écouter. Si vous aimez l'informatique, les ordinateurs, écoutez la démo scène, écoutez les musiciens. Et même la musique tout court. Ouais. Et même la musique tout court. Il y a un événement au mois d'octobre, hein, c'est la Main à Marseille, donc si vous voulez découvrir la scène, c'est un moment à découvrir, voilà. Exactement. Alors, nous sommes à la fin de notre émission Cyberculture, hein, 1h30 malheureusement. Donc, on va faire un tome 3, messieurs. Hein, je vous ressolliciterai la prochaine fois.
Hein, c'est jouer mes années, n'est-ce pas? Eh oui. Et nous nous retrouvons dans 15 jours, quant à nous, pour une autre émission, donc dans 15 jours, sur Être informaticien en 2012. Donc nous aurons toute une palette d'informaticiens qui vous décriront leur métier à l'heure actuelle, et aussi toute une palette de générations, donc ma génération, des générations qui ont commencé à travailler dans les années 70, et vous pourrez vous faire une opinion si vous voulez vraiment bosser dans l'informatique de nos jours. Quant à nous, ensuite, on enchaînera avec santé et spiritualité, et je vous dis bye bye, à bientôt. Au revoir, messieurs. Au revoir. À bientôt. Au revoir.